Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 sur Trine. En fait, j'ai tourné à la suite, donc faut pas s'étonner si j'ai toujours la même tête, hein, c'est normal. Enfin, en même temps, je change pas de tête tous les jours, bref. Mais donc voilà, hein, je les tourne à la suite, comme ça c'est fait, et bah c'est parti. Je parle beaucoup trop en anglais. Ça ne ressemble pas au château dont j'ai entendu parler. Non, je n'arrive pas à le croire. Ils ont tout, tout détruit. Nous devons nous hâter. Excusez-moi. Bon, bah, on va les laisser se tuer. Voilà. J'arrête de taper dans ce micro. Ok. Est-ce que je peux la faire passer par-dessus? Oh oui. J'ai eu chaud. Non, ça va. Donc, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. What? What? Ça m'a trop fait bugger. Hop. Naze. Oui, ça va, je sais qu'il faut que je change. Wouah! Ah, ça commence à se corser tout ça, dis donc. Meurs. Putain, faut que je récupère de la vie. Sinon, je pourrais pas aller récupérer le truc rouge, le truc vert. Si, allez. Je suis sûre que je peux tout faire. On est au taquet. Non, c'est pas ça que je peux. Je peux la faire tomber. Attention. Voilà. Ensuite, je peux dégager ça. Ah merde. Ah, en plus il y a un coffre. Que demande le peuple. Alors. Allez. Ah non mais. Je peux pas monter. Eh ben on va se débrouiller. Ok. Mais ça devient corsé, hein! Oh oui! No! J'avais presque réussi! Depuis tout à l'heure, je me fais chier pour rien en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors. Il nous faut papy. Ah, c'est bon, j'ai de nouveau mon ami. Eh ben. Allez. Non. Et voilà, le tour est joué. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Hop. Oula, ça tourne. Oups. Il y a un bouton là. Ah. B. Eh mais du coup je fais comment pour monter moi maintenant? Ok, tout simplement, j'étais en train de me faire. Je suis pour rien. Oula. Ok. Eh mais j'ai vraiment de la chance quand je me mets en fait. Hein. Par contre là je pense que pour monter. Merde, ça va être encore autre chose. Allez. On va prendre Albert.
Bon. J'ai quand même réussi à le tuer, hein. Allez. Ok. Je pense qu'il ne vaut mieux pas tomber. Oups. Chaud. Oh, c'était beau. Frotte. Ok. C'était obligé, hein, voilà. Allons-y gaiement, bourrine. Oui, je parle de moi. Voilà, méthode bourrine jusqu'au bout, allons-y. Est-ce que je pourrais avoir de la vie? Merci. Oula. Je me sens pas très très... Comment oses-tu? Je comprends vraiment. Il y a un truc en haut, il y a un coffre. Alors, réfléchissons. Oh, c'était beau. J'ai fait ça complètement à la one again. Ok. Ouh là là. Faut que je réfléchisse. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je me le demande. Je fais beaucoup de choses en fait sans toi. Par ici, qu'est-ce que c'est? On dirait un livre. Oui, je vais le regarder plus en détail. C'est beau. Il nous reste beaucoup de lieux à parcourir si nous voulons atteindre les ruines avant la tombée de la nuit. C'est si calme ici. J'ai l'impression d'avoir été libéré d'un grand poids. Ok. Ah, j'ai une idée. On va prendre Albert. Papy Albert. Ah oui, non, c'est pas une bonne idée. Je suis désolée, je ne voulais pas t'assommer. Et voilà! Quand c'est pas accessible, on le rend nous-mêmes accessible. C'est con que ça. Je suis sûr qu'il y a des trucs en dessous. Ok. Et crotte. Voilà. Là, mais crève. Ce jeu me rend vulgaire. Oh. Ok, on se calme. Lâche. J'aime vraiment trop les musiques de ce jeu. Pourquoi je peux pas aller en... En haut. Je l'aime de plus en plus, ce papy. Non mais... Thank you.
Ah, il y a un truc là. Par contre, je n'ai absolument aucune idée d'où je dois aller. On se met d'accord. Quoi? Elle respire sous l'eau maintenant? Il n'y a pas la barre d'air, c'est chelou. Alors, on va prendre papy. Voilà. J'ai vraiment du mal à voir quand ils apparaissent. On va mettre ça sur le fait que j'ai pas mes lunettes. Ouais. J'aime. Je pense que je vais pas y arriver. Mais voilà. C'était légèrement prévisible. C'est parti pour de la balançoire. Oh, magnifique. Alors, comment... Bah, papy Albert, voyons. Hop. Ah, il y a un truc en dessous. Je sais pas du tout comment j'ai tué celui d'en dessous, mais il est mort. Voilà. Je vous attends, les gars. En fait, le château, c'est un espèce de mini, mini passage boss, genre comme dans Mario. Parce que... Maintenant, c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Oh, je le sens mal. On va utiliser papy. Ça. Non, d'accord. Il ne veut pas. Il n'est pas d'accord. Pourquoi je... Faut vraiment que j'arrête. J'utilise de faire avec ma tête, un jour ça va pas. On va utiliser papy. Hop. Non, je vais faire tomber de l'autre côté. Ah. Mais pourquoi elle, maintenant, elle peut respirer sous l'eau? La bonne idée. Je sais pas. Faut que je regarde dans son inventaire. J'ai peut-être mis un truc sans faire esprit. Enfin, sans faire esprit. J'ai peut-être rattrapé un truc. Ah. Au. Araignée de cacahuètes. Ok. Putain, en vrai, je sais pas comment je vais récupérer ça. Hein. Oh, il y a un arc-en-ciel, c'est joli. C'est joli tout plein. Good. Et moins de... Elle est géniale. J'en ai marre. Vas-y, saute dans l'eau. Enfin, ils sont pas si cons que ça en fait. Ok, il faut papy. Voilà. C'est plutôt relaxant comme jeu en plus, hein. Oh, merde. Avec la musique, les beaux paysages. Oui, je me répète à chaque fois, c'est pas grave. Est-ce que cela nous mène quelque part? Cette obscurité est mauvaise. Non, j'aime pas les passages en noir.
Non, déjà que je vois que dalle de base. Oh merde, Crevy. Ah, mais en fait... Je peux faire de la lumière avec lui, c'est trop bien. Genre, mais oui, mais c'est trop bien. Non, il me faut papy. On va garder ça de côté, on sait jamais. T'es trop fort, papy. Je me demande si quand on ouvre les coffres avec un des personnages, genre ça offre des chances pour que... Ouais, voilà. Je pense que pour avoir un objet du personnage... Oh, mais du coup, j'ai une nouvelle arme, c'est trop bien. Il faut ouvrir le coffre avec le personnage. Mais c'est trop bien. Mais là, je pense qu'en fait, c'est obligé pour casser le mur. Donc, comment on fait? Non, c'est pas le que je voulais. C'est pas toi non plus, je vais arriver. C'était tout. Non, casse-toi. Trop fort. Bravo, papy. Putain. Hop là. Eh oui, c'est magique. Mais ah. Ah. Ah ouais, est-ce que je peux utiliser le marteau avec eux? Oui, mais du coup, il vaut mieux pas, en fait, hein, voilà. Ok. Ah, c'est quoi tous ces trucs par terre? De quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il avait déjà de base pas beaucoup de vie. C'est bon? Donc je pense qu'il nous faut papy. Et je pense qu'il faut qu'il fasse un cube par... Ok. Oh putainaise. Pas ça du tout. Voilà, voilà. On sent à quel point j'aime les araignées. Et d'ailleurs, mon cri est absolument dégueulasse. Eh ben... Ah. Oup. Mais pourquoi j'ai sauté? Mais t'es difficile, ma parole. Crève. Ah oui, donc là... Ah, j'ai pas vu que c'était un torchman. Oh, il y a un coffre, il a l'air comasse. Et hop. Ok. Youpi. Pas mal la statue. Oh, on dirait... Pardon. Mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi? Parfois je fais des choses complètement con. Le truc qui me court après moi. Non, attends. Mis à part ces c'est beau. Oh, j'aime les ruines. On vient d'abandonner un tel endroit. C'est si beau. Ouais, donc il vaut mieux pas tomber. Oula. Ok. Je sais pas comment je m'en suis sorti, mais oups.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a trop bugué. Oula, c'est dangereux, donc. Naze, tout crâne de... Voilà. Faut que j'aille où? Ok. D'accord, tout ça. Ah, il y a un coffre. Voilà. Ah, il y a un truc là-haut. Quoi? Pourquoi je peux pas? Ah, fuck. Et voilà. Trêve. Allez. Oh putain, la punaise, elle a plus de vie. Mur. Comment je vais éclater ça? C'est une très bonne question. Allez, allez. Oui. Non. Eh, c'est pas juste ça. C'est de la triche. Bernadette, ne meurs pas s'il te plaît. Enfin, trop tard. Alors là, du coup, j'ai besoin d'Albert. C'est dans le papier Albert. Allez. Nous y voilà. Oh, mais on dirait trop que c'est... On dirait trop que c'est le magicien qui est avec nous, la statue. Je suis déçue, j'ai cru qu'il allait avoir un mini-boss. Même pas. Ah. Oh. Quand même plus pratique avec elle. Hein. Ok. Hop là. Ouf. Je suis désolée. Oh là là. Les ennemis, elles sont de plus en plus... Casse pied. Ok. Oui, j'ai pas récupéré le truc. C'est pas grave. J'avais déjà récupéré pas mal avant, hein. Donc. Faut que je pense à aller dans l'eau aussi. Hein. Il me faut
elle. Il est content, il fait des sauts au-dessus, voilà, il s'amuse là. Je vous jure, les squelettes de nos jours. C'est plus que c'était, hein. Boum. Oh. Génial. Allez. Bon. Ah ben ça y est, il est là. Le voilà. Et sauf qu'il me reste quasiment plus de vie. Donc, voilà. On va se mettre d'accord sur le fait que si je dois battre avec le magicien, je suis foutu. Voilà, je suis foutu, foutu. Putain, oh putain, oh punaise, je vais pas y arriver. J'aurais trop dû. Oh, oh mon dieu, la chance que j'ai eue. En fait, genre j'ai sauté, je suis passée devant le truc bleu, du coup ça m'a ramené à la vie les deux autres, et en même temps j'ai pu faire tomber l'autre. Mais non, mais... Oh, c'est incroyable, et donc... par contre, je sais pas comment je vais faire là. Pourquoi je fais ça à chaque fois, hein? Je vais m'expliquer. Non, c'est pas celui que je voulais. Voilà. Bien. Yo! Oups. Alors. Là. Il nous faut papy. Bah, je suis con. Non, question. Et voilà. Hop, attrapé au vol en plus. Non mais... Oula. Parce que là où c'est un archer, voilà, bien sûr. Alors, comment je vais faire là? Ah non, presque. Il y a un truc là-haut, où j'y aille. Et voilà. Excusez-moi, j'ai un problème de... Eh ben ça monte. Oh, qu'est-ce que c'est? Vide! Il n'y a rien ici! Non, juste un autre grand magicien au repos. Attendez. Vous entendez? Est-ce possible? Est-ce que le grand magicien, une lumière encore plus claire que le soleil, aveugla nos héros? Des images de ce qui s'était passé apparurent devant leurs yeux. Une cinématique! Il n'y avait pas si longtemps, un tremblement de terre frappa le piédestal. Et voilà les amis pour l'épisode 3, oui je crois. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à me laisser un petit commentaire pour encourager, pour dire ce que vous pensez, enfin ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite.